Comme relâcher l'homme sauvage. Il est en nous, l'homme sauvage. Il a moins peur que nous, l'homme sauvage. Il est capable de faire ce qu'on ne sait pas faire, nous, l'homme sauvage. On l'a trop mis à l'écart en nous, l'homme sauvage. On a choisi l'homme fade, on a choisi l'homme étouffé, on a choisi l'homme moyen, on a choisi l'homme rien. L'homme sauvage en nous, il est plus sage que nous. Pour trouver l'homme sage, cherche l'homme sauvage. L'homme sauvage n'a pas peur des murs, il n'a pas peur d'aller vers les autres. L'homme sauvage, il n'est pas comme toi, il tend les bras et personne ne pense. Il pousse ce qu'il y a autour, l'homme sauvage, il élargit ce qu'il y a autour. Pour atteindre l'homme sage, relâche-le, l'homme sauvage. Commencerait là, comme ça, une fois par semaine, une minute, ça peut être long, une minute, combien t'as fait de minutes de silence, une minute pour les morts, ça peut durer infiniment, une minute, là, ce serait juste une minute, chaque semaine, on appellerait ça la minute de surplace. Qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi que ce soit ce que t'es en train de faire. T'es en voiture, tu t'arrêtes, tu bouges plus, tu restes sur place. On se dit, c'est la minute de surplace. Et puis ensuite, on augmenterait. La semaine suivante, 2 minutes. Le mois suivant, 5 minutes. On finirait au bout d'un an, 1 heure. Tu vois, ce serait comme ça, régulier. On est là, et quand c'est le moment de surplace, on bouge plus, on reste sur place. Progressivement, on augmente. C'en est une façon de sauver la Terre. On avait aussi pensé qu'on pourrait se diminuer soi-même, se rétrécir, se plier, se resserrer, augmenter la distance avec les autres, diminuer tous ensemble, se mettre avec d'autres s'ils sont d'accord pour se diminuer tous ensemble, se presser, se serrer, s'emboîter. Tous ensemble se diminuer. Tu te rends compte? À tous se diminuer. La place supplémentaire sur la Terre. Tu bouges pas trop fort. Tu sens les autres auprès. Mais ce serait tellement mieux la Terre si on tenait moins de place dessus. Parce que ça allait mal. Quand tu mettais les mains devant les yeux pour rien voir, tu préférais pas voir. Ça qui allait pas, ça qui allait pas, ça qui allait pas. Les mains sur les yeux. Ceux qui trichent, qui regardent entre les yeux. Et on le disait.
Ça suffit plus, mettre la main devant les yeux. Ça suffit plus de pas vouloir voir. Tu vois pas, mais il faut repousser, faut éloigner. Alors on avait ça. Tu te rends la main par le ventre. Tu remontes la main. Tu remontes la main par la figure. Tu remontes la main qu'elle sorte par le visage. Tu montes la main qu'elle passe par les yeux. On n'est plus des yeux, on est des doigts. Les doigts par les yeux repoussent. On est des doigts qui sortent par main, sortent par deux mains, sortent par oreille. Tu repousses ce que tu veux pas entendre. Les mains sortent par bouche. Main rentre par ventre, monte par ici, sort par bouche, sort par yeux, par oreille. Tu tiens tout autour. Tout ce qui va mal, tu le repousses. Milliards d'hommes. Main rentrée par ventre, sort par visage. On n'a plus visage? Peut-être. Mais est-ce qu'on avait visage avant? On sait plus. T'as plus que la main qui sort. La main qui sort par yeux. La main qui sort par oreille. La main qui sort par bouche. Et t'appuies, t'appuies, t'appuies. Citron comme jus de citron, c'est dans cervelle, jus de cervelle. Alors, lance jus de cervelle, débarrassé, débarrassé de ce qui gêne. Jus de cervelle mort. Il y en a tellement déjà de cervelle mort. Bouche-main sort par dedans, tête-main qui sort par dedans, yeux, main qui sort par oreille. Plus savoir ce qu'il faut voir, plus savoir ce qui nous force d'entendre, plus voir ce qui nous force à voir. Tant pis si mal aux os, tant pis si creuse maintenant, tant pis si plus visage, tant pis si chair tremble. C'est comme ça qu'on avait eu cette idée de faire de la terre un œil. Nous, s'enlever l'œil. Prendre tous les œils. En faire une grosse boule d'œil. Et prendre encore d'autres œils. Grandir la boule d'œil. Et c'est la terre qui devient boule d'œil. La terre qui devient œil. Et bien comme ça, elle n'a plus besoin de nous voir. Un œil géant, c'est pas compliqué, un œil. Les poissons, ils en ont un œil. Les pieuvres, ils en ont un œil. C'est derrière. Ça s'organise. Tu prends cet œil. La terre devenue œil. Terre devenue œil. Enfin, regarde ce qu'il y a autour. Enfin, nous regarde plus, on va vers l'autour. Une terre devenue œil. Comme dans l'intérieur de la terre. Elle est déjà ronde. C'était pas si difficile. Elle est pas trop ronde. Mais personne d'entre nous a l'œil rond comme ça pourrait être rond. Plus aucun œil parmi milliards corps. On n'avait plus besoin de voir. On a besoin que ce soit la terre qui voit où elle va. Ça en était une. Les 135 façons sauver la terre. Prendre l'œil, faire de la terre un œil. C'était la semaine où on avait décidé qu'on mettait les morts dehors. Une semaine par an, on les sortait de là où ils sont, les morts. On avait tout ce qu'il fallait. On prenait les pelleteuses, les bulldozers, les grues, toutes les machines que tu veux pour les sortir de là où ils sont, les morts. Puis on les met dehors. On les met debout. On les pose comme ça. C'est bon. Ils sont déjà raides. Première fois,
On avait des supports avec de la résine en plastique. On mettait ça au coin de rue, les supports, il n'y avait plus qu'à poser le mort en attache. Ça faisait penser, dans la semaine des morts, les morts debout, à tous les coins de rue. On avait fait ça un temps au bord des routes, des silhouettes en contreplaqué noir, des bouquets de fleurs, ça n'avait pas changé grand-chose. Mais si on les sort tous, les morts, vous prenez dans les hôpitaux, dans les chambres funéraires, les morts tout frais parce qu'ils donnent plus à penser. Puis on allait dans les cimetières et on les avait aménagés, les cimetières. Tu les vois tout près, les morts. C'est pas qu'ils sont beaux, mais on est un peu frères avec les morts. Tu pouvais te promener, t'allais chercher les tiens de morts. On avait inventé les cimetières démontables. Ça venait de la première semaine. Tu les prends, tu les remballes, tu les redéposes, mais tu penses que l'année suivante, faudra faire en sens inverse. T'aménages un petit peu. Plus besoin de support, tu mettais de la résine derrière. Puis c'est léger, un mort. Il n'y a plus d'eau dedans, nous, on est plein d'eau, un mort. Quelquefois c'est triste, t'as l'impression qu'ils t'attendent, les morts. On s'habituait. Dans la semaine des morts, tu faisais plus trop la différence entre eux, toi, toi, eux. Eux assis debout, posés, qu'attendent. T'en mettais aussi sur les bancs, t'en mettais derrière les vitrines, c'était mieux que les trucs à vendre des fringues. Puis les cimetières démontables, ça avait donné du travail à plein. Ça dérangeait pas trop le monde des vivants. C'est juste qu'après, on faisait plus attention. Tu te disais... Humanité finitude, humanité décrépitude, humanité sans solution. Ça ressemblera à quoi? Ça me semblera à ça, la semaine des morts démontables. Ce serait bien si des idées comme ça suffisaient. Elle n'avait pas suffi, celle-là. Alors tu t'étais dit que tu t'en irais. Tu t'en irais, mais pour aller où? Je marcherais, t'avais répondu. Je marcherais dans la rue. T'iras dans les forêts, t'avais dit. J'irai dans les forêts. Tu t'en iras loin dans les forêts. J'irai pas forcément dans les forêts, j'irai là, tout droit. Il te manquera pas quelque chose? On t'avait demandé. Il manque déjà toujours tant de choses. T'avais répondu, jamais rien qui puisse être bien, jamais rien de parfait. C'est le signe que ça va, on t'avait dit. Et s'il pleut, et s'il fait trop chaud, s'il fait chaud, trop chaud, s'il y avait du vent, trop de vent, et puis la foudre, t'as pensé la foudre et les éboulements, les écroulements, c'est comme ça la terre, t'avais dit. C'est le signe que la terre, elle s'agite. C'est pas si grave. C'est pas grave. On a déjà vu ça si souvent, même en pire. C'est pas grave. Et s'il fait chaud, on sait déjà qu'il fait chaud, encore plus chaud. Et s'il y avait du vent, que le vent, parfois ici, il devient fou, mais nous aussi fous. Tout exagéré. C'est nous, les exagérés. C'est nous. Alors tu t'en irais? T'en irais où? Je marcherais, t'avais répondu.
en avait pensé, on se mettrait dans des trous. Là où tu es. Puis tu creuses un trou. Puis tu entres dans le trou. Tu te mets dans le trou, tu te serres dans le trou. Tu laisses le trou se refermer. Si on bouge pas, n'importe quel trou se referme. Parfois, tu sais même plus où il est, le trou. Tu sais plus où est le trou, toi tu es dans le trou. Tu peux être en pleine ville, le trou, ou là au bord d'un chemin. Tu peux être sur un rocher, accroché à un arbre. T'avais des trous en plein air. T'as des trous au milieu du rien. Mais toi, ça te fait rien, le trou. Un trou dans l'air, il est transparent. Un trou suspendu, il a plus de bord, ça fait rien, c'est toi le bord de ton propre trou suspendu en l'air, le trou, rien. Une fois dans le trou, tout le reste peut partir. T'avais de la place pour mettre tout le monde dans un trou. La ville, t'as des dessous, t'as des tunnels, t'as des souterrains, t'as des caves, t'as des... Ça faisait autant de trous qu'on en voulait. Il est trop transparent. Promène-toi. Ils sont là déjà. Les trous transparents. Promène la main. Tu le sens bien. Un trou transparent et quelqu'un dans son trou. Qu'est-ce que tu faisais alors dans ton trou? Il y avait au moins ça. Plus moyen que t'abîmes rien. Tu restais là, coincé, tu tentais de sortir, d'aller respirer. Mais s'il n'y a plus le monde autour, ça sert plus à rien. Parce que le monde, il continuait. Le monde, il avançait. Le monde tel qu'il était avant, on le retenait. Ce qu'on fabriquait, ce qu'on roulait, ce qu'on bougeait, ce qu'on parlait. Chacun dans un trou. La terre, elle avance. Le temps avance. Tu sortais du trou. La terre était partie loin. Elle s'emportait bien. Hors de nous, les hommes, trous. Ces façons de sauver la Terre. On avait dit, si on faisait de la Terre le musée d'elle-même. Si tu faisais de la Terre l'immobilité d'elle-même. Si tu faisais de la Terre la présentation immobile d'elle-même. Et nous, ben nous dedans et nous avec. Chacun déjà une sorte de musée de lui-même. La terre devenue musée d'elle-même. Tu prends quoi dans tes bras? Tu mets quoi sur ton dos? Tu prends tout, tire quoi derrière toi? Et à qui dans le musée de toi qui reste autour de toi? L'ordinaire de la terre, devenu musée de la terre, c'est bien mieux que les musées de l'extraordinaire. Les événements violents de la terre, devenu musée de la violence sur la terre, les pulsions mauvaises de la terre, devenu musée des pulsions mauvaises de la terre, gaspillage, écrabouillage,
gâchis, ce que tu veux, devenu musée des gâchis, des écrabouillages de la terre. Le musée, on disait, des plaies faites à la terre. Si tu le fais, ce musée, ça bouge pas un musée, ça a des murs un musée, ça reste comme c'est un musée. Si tu mets tout ça dans le musée de la terre, est-ce que c'est pas une façon de la sauver, la terre? Où la machine a refaire les gens en bien. Tu vois comme on ramasse l'océan de plastique, ces bateaux automatiques. Ils tournent, ils ramassent. Il y en a pour bien plus longtemps qu'on a mis à le remplir de plastique. L'océan, ça fait rien, on les a les bateaux. Ça arrange pas grand chose, mais ça console. On en avait déjà beaucoup inventé de ce genre de machines automatiques. Les aspirateurs pour les maisons, c'est en démonstration dans tous les magasins d'aspirateurs à maison. Ça va là, ça tourne, ça s'arrête dans les coins, ça bute, ça fait demi-tour. Ça s'arrête quand ça a fini, ou alors ça s'arrête quand il n'y a plus de batterie. T'as la version aussi pour les lotissements. Les lotissements, c'est carré, l'herbe, à plat, c'est des machines à tondre sur batterie. Ça avance, ça cogne, ça tourne, ça fait demi-tour, ça continue, et ça te fait tout le lotissement comme ça, ça te fait toute la ville comme ça, ça te fait tout l'étalement horizontal des villes comme ça. Alors on avait pensé à une machine pour refaire les gens en bien. On avait commencé progressivement. On avait fait marcher la machine dans les halls de gare. Au début, on les avait un peu dissimulés. Un faux bonhomme sur un truc à roulette électrique. Non, ces machines à refaire les gens en bien. Ça les calmait dans les trains. Puis c'était devenu des machines plus grosses. On les avait lancées dans les rues, dans les galeries commerciales, dans les souterrains des transports. Sur les aires de péage, tu voyais les petits appareils. Non, machine à refaire les gens en bien. C'est des machines tranquilles. C'est pas des machines invasives. T'es là, tu marches, tu sens un genre de vague courant d'air. Ça te soulève un peu, ça soulève les bras un peu, ça te bouge un peu la tête. Tu vois les coiffeurs quand ils te touchent doucement la tête. C'est ça, la machine à refaire les gens en bien. Et ça, passé, tu te sentais mieux, tu te sentais bien. La machine à refaire les gens en bien, elle faisait de mal à personne puisqu'elle refaisait les gens en bien. Tu regardais la personne devant toi, tu disais, tu l'as eu toi, la machine à refaire les gens en bien? L'autre, il te répondait, oui, je suis passé à la machine à faire les gens en bien. Ça t'a fait quoi de bien? Je sais pas. Je me rappelle plus trop d'avant. C'était un peu le défaut de la machine à refaire les gens en bien. Qu'on se souvenait pas trop d'avant. On les avait déjà construits, ces grands bâtiments. Il y avait juste eu à les pousser, les tirer, les mettre un peu l'un sur l'autre. C'est pas si difficile tout ça. On savait déjà tant le faire. On avait déjà des villes construites sur ce modèle du bâtiment qui s'empilait, qui s'augmentait, du bâtiment qui se continuait. Alors, on l'avait fait, le grand bâtiment. On s'était dit, on habiterait tous le même bâtiment. On organiserait un bâtiment géant. Avec tous les hommes. Simplement, il pesait lourd, le bâtiment géant. C'était une belle idée, mais une idée
lourde. Le bâtiment géant qui accueille tous les hommes. C'est lourd qui s'enfonçait progressivement dans la terre. Un peu, au début pas beaucoup. Tu t'en rendais pas compte. Le bâtiment géant qui englobe tous les hommes, il s'est mis à tourner sur lui. Mais lentement, très lentement, dedans, on s'en apercevait pas. On avait assez à faire, c'était assez curieux d'être tous ensemble dans le même bâtiment, s'organiser, visiter, aller au bout des couloirs, frapper aux portes, voir les endroits où ensemble on mangeait, tu regardais des visages, t'es pas habitué. C'était une belle expérience en soi, le grand bâtiment, et tu avais cette paix, cette conscience, le reste de la terre ouvert, le reste de la terre, on n'y touchait plus, le reste de la terre libre, enfin libre. Le bâtiment, il tournait lentement. Et en tournant lentement, s'enfonçait dans la terre. Il ne le dérangeait pas, le mouvement de la terre. Le bâtiment géant, il tournait en sens contraire de la terre. Les deux bâtiments, les deux mouvements s'équilibraient. Sauf quand, tournoyant, il s'est mis à basculer sur lui-même. Dans l'intérieur, tu t'en aperçois pas, t'es devant ta même fenêtre. Tu fais les mêmes gestes. On n'avait pas besoin de sortir, on y habitait, le bâtiment. Si le bâtiment tourne, tu tournes avec. Si le bâtiment s'enfonce, comme il commençait de s'enfoncer, comment tu t'en serais aperçu? Le bâtiment emmenait ses fenêtres avec lui. C'était si beau, cette idée de la terre livrée à elle-même. Peu importe. Bâtiment tournant sur lui-même, renversé sur lui-même, s'enfonçant lentement sous la terre. C'était si beau, cette idée. La terre laissée de nouveau à elle-même. Et les hommes, dans ce tournement, qu'est-ce qui change? On l'avait déjà avant. Le vertige de nous. Le vertige que ça continuerait, que c'était trop grave pour finir, on croyait. C'était ça notre vertige. Alors le tournement, on l'avait déjà. Aveuglé par l'accélération du bâtiment, maintenant il tourne et à chaque fois s'enfonce, il tourne chaque fois, bascule et peu importe. Qu'est-ce qu'on avait cherché d'autre jusqu'ici que cette communauté d'hommes rassemblée s'interrogeant sur elle-même, communauté d'hommes rassemblée s'interrogeant sur elle-même et eux-mêmes, pas incompatibles avec être dans le même bâtiment, bâtiment qui augmente, qui tournoie, qui s'enfonce et l'ensemble de ce qu'on construit ensemble dans les limites du bâtiment marche toujours vers le bout du bâtiment. C'était trop grand, ce bâtiment, bâtiment qui tourne, approche du noyau, noyau qui fond, noyau brûlant de la terre. C'était une des façons de sauver la terre. Ou bien, on s'était dit, marcher, mais légèrement. Marcher plus légèrement sur la terre. On est trop lourd sur la terre. Que tu sois lourd, que tu sois moins lourd, ensemble, trop lourd sur la terre. On avait demandé un effort. Marcher, mais légèrement sur la terre. S'alléger, se grandir. Un peu de volonté, on y arrive. À marcher légèrement sur la terre, infliger moins de son poids à la terre. Tu y arrives pas? Prends-toi par le colbec, soulève-toi un peu, on y arrive, les deux pieds bien à plat, tu soulèves, et on n'inflige plus de poids à la terre. Ceux qui résistaient, qui veulent pas là-bas, tu les prends toi, tu les soulèves, tu lui dis, tu vois, on peut marcher légèrement sur la terre. Apprendre à rien porter, apprendre à laisser ce qui nous pèse dans les poches, dans les sacs, dans les armoires. Ne plus avoir rien dans les armoires pour marcher plus légèrement dans la terre. Les armoires du dedans aussi. Marcher légèrement sur la terre.
On avait décidé de la laver, la terre. On avait décidé que chacun, on laverait là où on est, sur la terre. T'as deux pieds sur la terre, mets les pieds de côté, là, vous t'avez les pieds. T'as des mains qui touchent la terre. Tu prends ce qu'il faut, laver, récurer, nettoyer, gratter, et tu laves où toi t'avais touché la terre. Ça a l'air de rien, c'est petit. Et tu commençais par là où t'étais, là où toi, il fallait que tu laves parce que t'avais les pieds, les mains, toucher la terre, toucher les objets, toucher les vêtements. Et tu nettoyais. Il y avait des choses plus importantes. Laisse les choses. C'est les choses que tu crois importantes, elles sont pas importantes. Laver là où t'as les pieds, laver où t'as touché les mains, laver les objets, laver. Là oui. Et puis, dire à l'autre là-bas, toi aussi, lave la terre. Et on s'y était mis. Et on s'y était mis tous. L'humanité, il y en a trop sur la terre. C'est devenu trop grand par rapport à la terre. Ça va s'évanouir dans la terre. On prend notre temps. D'abord, on lave. Au moins, si plus d'humanité, on leur laisse quelque chose un peu correct pour l'état des lieux. On s'était occupé de ça, chacun où on était. Tu disais, faut bien commencer par une petite chose. Et commencer par une petite chose, après tu fais une autre chose. Et que si on l'avait lavé, la terre, on a au moins la conscience tranquille. Ou le contraire, tout laisser faire. C'est mal parti. Eh ben laisse tout partir comme c'était déjà parti. Ce serait juste une amplification. Ça dérive. Laisse dériver les choses qui vont mal. De toute façon, il y a bien longtemps qu'elles vont mal. Qu'elles aillent encore plus mal. Ben au moins on verra ce qu'il y a de l'autre côté. Peut-être toi tu le verras pas. On sait plus où donner, on sait plus où pousser, on sait plus où résister. Ça marche vers un mur. Bah au moins on y sera contre le mur. C'était devenu trop. C'était devenu plein. On les aimait pas ceux-là. Mais il y en avait partout autour. Il y en avait qui vous cernaient, il y en avait qui vous happaient, il y en avait qui vous rejoignaient. On les supportait plus. Ceux qui disaient, faut tout laisser faire, faut laisser faire. On verra bien ce que ça devient. Si on laisse faire, ça peut pas être pire de toute façon. Alors laissons faire. Toi, comme ça, visage contre visage, t'aimes pas les gens qui viennent trop près de toi. Et tu voyais bien qu'il avait quelque chose à te dire. Et tu te disais quelque chose, mais toi, tu ne comprenais pas. Du moins, tu ne comprenais pas exactement ce qu'il voulait te dire. Ce qu'il voulait te dire, c'était ça. C'était son idée, mais lui, il n'en avait qu'une idée, mais c'était son idée. Il voulait juste la dire, il pensait que c'était la juste, il pensait que c'était la bonne, son idée, et son idée c'était ça. On enlève les murs. Tu vois, devant toi, où que tu sois, tu vois bien un mur, un petit mur, un grand mur. Eh bien, tu vas jusqu'au mur, tu commences
à démolir le mur. Tu penses à ce qu'il y a derrière le mur, tu penses aux gens qui ont construit le mur. Mais toi, t'es celui qui enlève le mur. Partout où tu sois, tourne-toi, regarde autour de toi. Vois s'il n'y a pas un mur, au moins un mur. Et même si c'est plus qu'un mur, là, au bord de l'autoroute, mur au milieu, mur de chaque côté, passe-les, tourne le volant, fonce dedans, passe-les. T'es en pleine ville, c'est des murs d'immeubles. Commence par les cloisons du dedans. Commence par enlever la façade. C'est bien plus beau comme ça quand on voit tout dedans. Où que tu regardes, il y a forcément un mur où tu peux aller et commencer à déconstruire. C'était ça son idée au type. Il disait qu'il y en a partout des murs. Murs, 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 murs. Quoi ? T'as qu'à marcher devant toi, t'en trouveras un mur, et si chacun fait comme ça, on va tous les enlever, les murs. Et toi, tu disais, ce type, il est trop près de moi, ce type, il me colle, ce type, il me parle, j'ai pas envie d'écouter ce type. Il sent mauvais, les gens qui sont trop près de toi, tu sens leur haleine, t'aimes pas sentir l'haleine qui sort de la bouche des gens. Et s'il n'y a pas de mur, tu lui dis... Alors va devant toi, forcément quelque part un mur, t'es pas à ta place. Et si t'as oublié de marcher devant toi, c'est que t'as oublié toi. Voilà ce qu'il disait le type, qui voulait que chacun s'en aille casser un mur. Et s'il n'y a pas de mur, il disait, dans les villes, le ciel même est un mur. Ce type, il était là, il te racontait ça, comme ça, trop près, nez contre nez, toi t'aimais pas ça. Un type un peu plus petit que moi, je sentais l'odeur de sa bouche, j'aime pas ça. Et il me collait, je reculais, il suit, il bougeait de côté, il suit. Tu vois, mon idée, disait le type, c'est un par un, et t'enlèves les murs, t'enlèves tous les murs. Et il va rester quoi ? Je lui ai dit. Il va rester nous. Il m'a dit. Simplement, tu commences par un mur. Chacun commence par son bout de mur. Ensuite, tu te retournes, tu regardes. S'il y a un autre mur, tu y vas. T'enlèves l'autre mur. Tu continues. Et chacun continue. Et moi, je lui ai dit, mais si on n'en a plus du tout de mur, c'est là que ça commence, il m'a dit le type. Il t'y rapprochait encore près. Encore tout près. Moi je sentais l'odeur de sa bouche, j'aimais pas, il me collait ce gars. Moi je sentais l'odeur qu'il avait dans sa bouche, c'est jamais très bon quand c'est des gens qu'on connaît pas, l'odeur que les gens ont dans la bouche. Puis je voyais ses yeux, j'aimais pas trop ses yeux. Il y avait du jaune dedans, ses yeux à ce type qui voulait casser les murs, casser chacun un bout de mur. Quoi ça servirait d'aller casser chacun un bout de mur, un mur, et puis encore un mur. T'étais là, t'étais assis devant tes ordinateurs, t'avais ouvert un nouveau fichier pour le copier-coller, t'avais lancé une recherche, tu l'avais lancé dans tous les journaux que tu lisais, et les journaux pas que tu lisais, et d'autres journaux où que jamais t'aurais été regardé, toutes les archives de journaux, tu cherchais quoi ? Tu cherchais d'abord gens disparus dessus la terre,
mais il y en avait des pages de résultats. Alors tu ouvrais chaque page de résultats un par un et chaque résultat te menait à un autre. C'est grisant dans les ordinateurs et tu cherchais l'endroit, tu cherchais le jour, tu cherchais le pourquoi, tu cherchais la preuve des sources, la référence que tu l'avais trouvée, copier-coller dans ce fichier que tu avais ouvert, le fichier multipliait, le fichier gonflait, le fichier enflait. Et toi, tu cherchais qui c'était ces gens? Tu cherchais le pourquoi? T'avais l'endroit, t'avais le jour, t'avais pas le pourquoi. T'avais fait la première requête, alors tu as changé les mots de la requête. Tu tournais autour de ta requête, tous les gens disparus. Volontairement, tu avais ajouté volontairement et tu avais écrit ça. Page internet de traduction automatique, 42 traductions, gens disparus volontairement. Entrée l'expression, moteur de recherche. J'avais écrit ça dans toutes les langues, copier-coller, retraduction à l'envers, ton fichier il augmentait, gens disparus de dessus la terre, gens disparus volontairement, personne portée disparue, personne volontairement disparue, personne ayant disparu, personne s'étant volatilisé, personne s'étant envolé, personne ayant fait le choix de disparaître, avec copié dans chaque langue les variations de requêtes, l'ensemble de toutes les variations, de toutes les mêmes requêtes dans toutes les langues, et tu collationnais les résultats, le fichier grandissait, tu avais ouvert un algorithme qui permettait la collecte maintenant automatique des autres résultats, les résultats secondaires, les fragments de texte dans toutes les langues, revenant dans ta langue, augmentant ton fichier, et tu regardais l'algorithme travailler, ça allait durer la nuit, tu étais là avec un café, tu étais parti un moment, tu étais revenu au matin, l'algorithme, ça clignotait vert, ça continuait, tu avais juste touché l'écran pour le rallumer, tu voyais encore des fragments s'ajouter dans toutes les langues, dans toutes les combinaisons de requêtes, personne n'ayant volontairement disparu, chaque fois le lieu, les circonstances, les témoins, le dépôt de plainte, les archives, il manquait juste quoi? Il manquait le pourquoi, il n'y a pas de trace à ça, il y a des pays tu en as plus, des pays tu en as moins, dans les grandes villes tu en as toujours plus, et l'ensemble des requêtes, l'ensemble des récits, l'ensemble des incompréhensions, tu avais listé incompréhension pourquoi, décalquer le fichier, deuxième fichier uniquement en enlevant tout et gardant juste l'absence de raison, les témoignages de ceux qui disaient il a fait ça, pourquoi on l'a cherché, pourquoi il s'est décidé à ça, pourquoi on trouvait des milliers, des centaines de milliers, dizaines de milliers, millions de personnes volontairement disparues. Tu t'étonnais même qu'il puisse tant en rester actuellement dans le monde, toutes ces personnes volontairement disparues. Un gars qui arrivait avec sa voiture sur un parking de supermarché, il attendait un moment dans sa voiture, un moment venu, il n'y avait plus le gars dans sa voiture. Un gars qui descend à la gare, qui se rend dans la rue piétonne, qui va au magasin, un moment plus tard, il n'est plus dans la rue piétonne. Un pont, traverse un pont, au bout du pont, il n'y a plus la personne. On retrouvait une voiture, on retrouvait un sac, des fois on trouvait une lettre. Personne portée volontairement disparue. Il y avait une recette pour volontairement disparaître. Ils étaient cachés où s'ils avaient disparu? Ils étaient allés où s'ils avaient disparu? Tous ceux qu'on avait profité pour volontairement disparaître. On avait tout ça, les traitements à ordures. Avant, tu jetais ça dans un coin, dans un contrebas. Fallait en finir. On a rajouté de la terre par-dessus les décharges en contrebas. On a fait des terrains bien délimités. Près des capitales, il y a ça. La Courneuve, il y a ça. Tous les camions qui arrivent, ils déchargent. Ça fait une grande pente qui monte. De l'autre côté, les bulldozers qui montent une pente beaucoup plus douce. Espace vert. Et ça fait un parc. Oh là là, un grand parc. Ce que tu vois pas, c'est que de l'autre côté, c'est ça, c'est les ordures, c'est toutes les ordures de la ville tous les jours. Un grand parquet. Tu fais quoi? Tu fais des cimetières. Les cimetières, c'est quoi? C'est ce qu'on jette.
tu faisais des petites vagues, tu faisais des petites bosses, tu faisais du verre, et t'allais installer là les cimetières. J'ai fait le compte, et sont 27 les villes en France où les nouveaux cimetières, mon repos, sont installés là où tu les mets, les déchets, les ordures. Puis les déchetteries, et puis tri, et puis recyclage. Puisque tu sais pas recycler tous nos machins d'informatique. Allez hop dans des bateaux, allez hop dans des conteneurs. Et t'envoies où ça? T'envoies dans l'Inde, t'envoies dans la Chine. Maintenant ils en veulent pas, et ils nous les renvoient. Qu'est-ce qu'on en fait ce qu'ils nous renvoient? On essaye l'Afrique, ça vient pas de l'Afrique, ça fait des cancers, ça fait tout ça. Non, eux ils arrivent pas à nous le renvoyer. Alors tant pis, mais... C'est ça où on avait eu l'idée. Le traitement des ordures, c'est devenu le monde qui mange, le monde qui machine, le monde argent acheté. On avait eu cette idée-là aussi. Et si t'arrêtais de rien vendre, un monde où il n'y a plus rien à vendre. En attendant, on avait dit tous ces dépôts d'ordures, conteneurs à ordures, on avait dit... On va mettre le monde partout dans les conteneurs à ordures. Tu prends chez toi les poubelles, tu mets tout ce que tu as dans la poubelle. La maison, dans la poubelle. Le terrain, dans la poubelle. Le bureau, dans la poubelle. Fallait des conteneurs plus gros, fallait des camions pour emmener ça. On avait tout ce qu'il fallait. Des villes entières passaient dans les conteneurs à ordures. C'est là où on avait élaboré la théorie. Mettre le monde entier dans nos conteneurs à ordures. On revient à la case départ. C'en était une façon. Sauver la Terre. On disait qu'il y en a qui s'étaient mis à parler aux animaux. Chacun se mettait devant un animal, puis lui parlait, on ne demandait pas à l'animal de répondre. On le regardait, on essayait de comprendre. Ce qu'il comprenait, on ne sait pas. On sait difficilement ce que ça comprend un animal. Mais quand tu parles à un animal, tu dis tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu as dans le fond de ta tête, tu dis... des paroles que personne pouvait comprendre, mais l'animal ça fait rien. Tu comprends pas. Ou c'est ce que tu crois. Et même si les paroles que tu dis à l'animal, c'est des paroles que tu inventes, c'est des paroles qui se font comme ça, c'est des paroles qui continuent, c'est des paroles pour l'animal, tu comprends. En fait, l'animal, il est dans toi. Tu regardes l'animal, mais c'est... toi, l'animal, quand toi tu regardes, et là tu comprends pourquoi tu parles. L'animal devant toi, c'est toi-même. Alors ça a commencé de se renverser. On n'est plus soi qui parle. On n'est plus soi qui parle à l'animal. On est soi qui parle à l'intérieur de soi. Et devant toi, c'est toi, animaux, qui te regardes, sans comprendre. Tu dis, si tu m'as fait ça à moi, pourquoi tu le fais pas à toi? Le temps qui restait à vivre. Chacun répétait ça. Plus en plus. Plus en plus nombreux. Et jour et nuit, nuit et jour, et ça accélérait. Quelqu'un l'avait laissé entendre que ça s'arrêterait. Que si on ralentissait, ça s'arrêterait encore plus tôt. Alors on avait commencé par compter à l'envers pour se familiariser. 5. 4, 3, 2, 1, et puis là on recommençait, 5, 4, 3, 2,
1 et... D'autres aussi, continuez. 5, 4, 3, 2, 1, toi aussi tu comptais, tu savais pas ce qu'il se disait, mais... Chacun se racontant son histoire à toi-même. Petit à petit, on avait commencé tous en même temps. 5, 4, 3, 2, 1, on n'entendait plus que ça partout. Le temps qui reste à vivre, c'est quoi que tu comptes? 5, 4, 3, 2, 1, c'est quoi là-dedans? Le temps qui reste à vivre. On peut arrêter, tu crois? On va l'arrêter, la Terre? 5, 4, 3, 2, 1. On en aura un peu plus du temps, tu crois? Du temps qui nous reste à vivre? Qui souhaitait le suicide, on le lui accordait. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça améliorerait? Qu'est-ce que ça faciliterait? En quoi accorder le suicide? C'est échanger solution individuelle pour qui le commettait. En quoi changer solution individuelle pour qui commettait suicide, changeait la condition collective qui résiste au suicide, de faciliter à échelle générale par la possibilité même que ça existe. On s'en va où, tu crois? Alors on avait mis des conditions. D'abord, tu déposais un dossier. Il y avait devoir d'attente, parce que beaucoup de dossiers attendaient traitement. Puis on te donnait un récépissé de dépôt avec un délai. On avait testé plusieurs délais. Une semaine, trop petit. Un mois, trop vite aussi. On avait dit un délai d'un an, c'était à définir. On s'était aperçu que dans le délai d'un an, très peu de ceux qui avaient déposé dossier commettaient le suicide. Globalement, on respectait les conditions. Il y avait ceux qui changeaient d'avis. Ça pouvait arriver. C'était ça le principe. Si tu changeais d'avis, tu n'avais plus la possibilité de proposer un dossier. Alors peu changer d'avis. Ton année de délai, ton année d'attente, autant bien en profiter. T'avais déjà dit au revoir. Il y avait une autre condition. Quand la date arrivait,
qui t'identifiait sur ton dossier. Il y avait des vérifications, des sécurisations à plusieurs niveaux. Forcément, nous on y était tellement habitués pour tout, et les petites choses et les grandes choses. On savait ce que c'était un dossier sécurisé, fichier général de l'administration publique, juste une petite rubrique, toute petite. On disait qu'il fallait pas faire de publicité pour qu'il n'y ait pas trop de dossiers. Si on te mettait un délai d'un an, est-ce que cette année tu la vivais pareil? Qu'est-ce que tu abandonnais? Comment tu regardais ceux qui te regardaient? Est-ce que tu leur avais dit que tu attendais la date? Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que tu demandais? Et que finalement, peut-être il n'y avait pas besoin d'un an, mais on dormait. On laissait faire, ça finissait tout seul. Tu prenais goût aux petites choses qui continuaient, aux petites choses qui recommençaient. C'était doux même de laisser ces petites choses commencer, continuer. Quand toi, tu devais accepter ça, l'autre condition. Le suicide devait être public. En déposant ton dossier, tu cochais la case, que tu respectais les règles générales, que tu avais lu le règlement général, savait que le suicide serait possible, mais public. Alors qu'il recevait le courrier électronique avec le code d'accès, la double vérification par téléphone, parce qu'il ne faut pas tricher avec ces choses-là. Non, mais imagine qu'un d'autre, que quelqu'un d'autre, qu'un autre puisse décider à ta place, proche ou personne, ou ce type qui se promène dans l'internet sombre, conformément à votre demande de déposer tel jour, telle heure sur le serveur, notre serveur, évidemment sécurisé, l'autorisation express de commettre le suicide, vous était enfin délivré. C'était simple, c'était possible, il y avait juste cette condition, parce que évidemment, l'idée c'était juste de dire qu'il fallait que ce soit public, on s'en était tenu à ça, à seulement ça, que ce soit public, juste public. On avait certains lieux et certaines villes, des villes qui allaient mal, mais il y en avait tellement des villes qui allaient mal que c'était un petit peu spécialisé, c'était du marché de niche, mais du marché possible. On venait de loin, on venait commettre le suicide, mais c'était public. On venait assister, on venait comprendre, on venait réfléchir à soi, son rapport à ça, la vie, la mort, passé. C'est humain. C'est des villes qui s'étaient spécialisées. Une, c'était une ville avant, c'était militaire, caserne, champ de tir, tout ça. Oh, évacuer, volatiliser. C'était simple, il n'y avait eu qu'à remplacer les locaux. Tu venais, champ de tir, tu te plaçais comme il fallait. Oh, c'était des machines en face, c'était réglé, c'était précisé. Pomme, terminé. Une autre machine transversale, lavage sous pression, éjection vapeur, terminé. Prochain. Une autre. Celle-là, elle avait beaucoup de succès, c'était une colline. Une colline en amphithéâtre, une colline au-dessus de la ville. Tu t'asseyais tranquillement sur la colline, c'était une très haute colline étagée, un parc. Il y avait peu d'arbres, les arbres loin tout autour. Et au bord, un étang avec de l'eau, une grande promenade. Les gens qui déambulaient sur la promenade venaient voir les ans suicides. On appelait ça comme ça, an-suicide. Les ans suicides. Parce que s'ils venaient, c'était le moment. Tout était vérifié. Les gens passaient, les voyaient simplement assis dans l'herbe, quelque part là-bas, dans l'herbe, sur la haute colline, en amphithéâtre. Prenaient les médicaments ralenteurs, c'était le mot. Quand ils arrivaient, on leur donnait leurs médicaments ralenteurs. Ça les laissait conscients, finir doucement. La nuit, on ramassait les endormis, un véhicule électrique qui faisait pas de bruit. Au matin, c'était prêt pour les suivants. Ça attirait du monde sur la promenade entre l'étang et la colline de venir voir les gens suicides s'endormir lentement dans leur en ralenteur. Qui n'a pas envie de suicide un moment ou l'autre? Alors tu viens voir comment ça se passe, là, tranquille. Comme un dimanche, on disait. Les ralenteurs, ça fait la vie comme un dimanche. On avait d'autres techniques plus perfectionnées. Ça, c'était dans
certaines grandes villes où il y avait trop de demandes. Tu passes dans un couloir, tu avances dans le couloir, le public est là-haut sur une galerie vitrée, accoudée, qui surplombe des consommations. La personne avance dans le couloir et... disparue. Plus personne dans le couloir. Alors, dans les galeries, on applaudit. Finalement, des fois, t'aimais pas trop voir. On n'avait jamais été sûr que rendre visible et public le suicide n'attirait pas au suicide. Ceux qui finalement n'étaient pas si prêts. C'est trop tard pour faire demi-tour. T'as de l'estime de soi. Tu marches dans la galerie, dans le couloir. Les gens dans la galerie regardent et... c'est fini. C'était scientifique. On disait sans douleur, mais on ne savait pas. C'était tellement mieux qu'avant. Ceux qui se balançaient dans les trains, ceux qui prenaient des médicaments à rat ou des médicaments à chevaux, ceux qui attrapaient leur ceinture autour du cou, puis jamais ça ratait, ceux qui mettaient la tête dans un sac poubelle avec une bonbonne de gaz, et jamais ça ratait. Puis ceux que, longtemps après, on retrouvait dans les appartements, on ne savait même pas ce qui s'était passé, ça n'a jamais été très beau, ça n'a jamais été très propre, ou les appels téléphoniques et numéros détresse, les services exprès, des services pour ça, avec une voix bien rodée qui est là, « allô, suicide, vous êtes qui, vous êtes où? Parlez-moi, sortez de chez vous, attendez, on va se parler !» On n'avait jamais empêché le suicide. Par période, à l'automne, dans le milieu de l'hiver, ou quand tout s'accélère au printemps, mais pour toi, rien qui s'accélère. La courbe des suicides, juste un baromètre de la santé du monde. Alors ouais, en proposant le suicide public, tu déposais ton dossier, tout était organisé. Non mais franchement, tu vois ça, une ville où le monde tout entier, où ne... resterait que ceux qui ne s'interrogent pas sur l'intérêt ou pas de se donner la fin de sa vie ou pas. Une ville où ne reste que ceux qui disent « Ah mais nous on s'en fout de se donner la fin de vie. » Tu les respectes ceux-là? Tu les connais ceux-là? Est-ce que tu donnes le monde? Est-ce que tu donnes ta ville à ceux qui s'en foutent du suicide? À ceux qui s'en foutent de partir et puis basta? Et comme toi ça te travaille du dedans et comme dans la ville, dans leurs yeux, tu les... comme ça travaille de partir et puis basta? Et comme tu le sais bien, tout ce qui pèse sur le dos et ce qui pèse dans le dedans, ce qui bloque là, dans le ventre, ce qui bloque là, la boucle dans respiration, ce qui bloque là, la gorge, tête, se dire partir et puis basta, puis basta. La loi venait de passer, maintenant c'était officiel, c'était permis, déposer son dossier sur le serveur sécurisé, commettre le suicide facile, paisible, aisé, un an d'attente, tu recevais convocation individuelle, vérification sécurisée, l'heure, l'adresse selon le mode choisi, indiqué, seule condition publique, seule condition les spectateurs, seule condition, dis, c'était comment juste avant? Dis, c'était comment juste avant?